nous saluer, remercier en même temps tous les journalistes qui font des déplacements avec nous pour couvrir la conférence pour la presse. Nous saluons de façon spéciale responsable Union Journaliste Balati Bolivio qui présent, responsable Féjaro qui présent, responsable Amea qui présent. C'est une conférence pour la presse dans le cadre incident volontaire ou involontaire, nous ne connaissons pas jusqu'à présent, qui arrivait au niveau de cette livraison, réception, document d'identité, pendant ce matin justement, côté confrère nous, Maître Félix Siméon, sorti victime, qui c'est journaliste en même temps, qui c'est leader religieux. Donc, Maître Félix, jeudi, a choisi de répondre à la question de la presse sur ce qui est passé. D'abord, on a expliqué ce qui est passé. Ensuite, le coordonnateur, M. Moïsian, dans le tribunal, qui s'est mettre Valentin, qui pourra intervenir pour capable préciser et annoncer suite judiciaire que nous-mêmes, avocats, nous avons débattu avec ce qui est passé. N'attendez, M. Félix. Nous avons plaisir pour que nous saluions tous les amis, la presse, nos collègues, nous. Qui sont avec nous maintenant, en objectif pour que vous venez en non-solidarité, puis avec un tel incendie et qui est censé passer moi-même, parce que moi-même victime de tel incident. C'était samedi, hein, et après plusieurs jours, on va dire semaine, que moi j'ai un dossier passeport dans mes inspecteurs nerveux. Par un suivi qui fait et après avoir jugé que j'ai un dossier passeport pour madame moyen n'est pas qu'à faire parce que pas jamais une possibilité pour le sien, on était jugé nécessaire pour que moi arrive prendre dossier à la main et que pour me faire l'autre suivi pas pour madame moyen arriver signer un passeport. Bon, l'aime dépassé à monter un bourrara qui a fait puisque je pas allé à l'intention pour que je signe un passeport, moi tu es obligé de quitter tout le monde fin rentrer. Et après, moi rentré sans difficulté. Et c'est pendant que je suis dedans, moi, ouais, directeur immigration, hein, et qui s'est bien aimé, Washni, et que l'a venu en face moi. Mais puisque tu es un bourrara, tout le monde est rentré, et puis nous t'entendons dire, côté mal propre ce bras là, tout le dossier en dedans. Pour me répéter, genre d'expression ça. Et puis, ça, je m'en dis, mais direct, comme vous parlez avec nous là, comme vous faites traiter de malpropreté, y a une institution publique, y a un droit pour que vous là. Et puis, sans hésiter, dit, foutez-vous dehors. Moi, foutez-moi dehors. Il dit, oui, foutez-vous dehors. Il dit, bon, dans un mot, vous mettez-moi dehors. Et que l'aile ou un bague volonté pour me sortir. Il y a deux mots qui étaient dans longue distance. Il fait au signe avec men, il rejoint. Il dit, foutre monsieur dehors. Sans hésiter, Idmo est venu avec fracas, avec brimade. Il y a deux Idmo, il est venu, il a flanqué dehors malhonnêtement au vieux au sud de tout le monde. Le spectacle a passé au grand public et que tout le monde constate ça. De ce fait, puisque nous t'ai déjà dit c'est un avocat nous et c'est un journaliste nous les monsieur a metté nous dehors, il dit comme c'est avocat ou yé, ou a porter plainte pour moi, comme c'est journaliste ou yé, ou a prendre radio pour moi. C'est justement pour faire connaître ça le faire, il fait de bonne volonté, ça le faire, il fait avec conviction de se faire nous juger en tant que victime pour que nous fassions suite légale. Comme nous avons un coordonnateur qui est censé avec nous, et que je pense que nous avons les mêmes mots pour le placer, vu avec ça qui est censé arriver maintenant comme étant avocat et journaliste. Merci. Nous sommes M. Valentin Lefer, nous sommes coordonnateurs de la corporation de la défense publique. Nous saluons la télévision presse écrite et la télévision. Nous portons chapeau avec M. Lan, qui sont victimes dans telle situation. Côté bureau
immigration, son bureau l'État. Là, c'est bureau l'État, qui c'est bureau par nous. On doit mettre la montée en l'air, là, le prend service dans le bureau. Et puis, directeur immigration même, qui c'est Wachmi, bien-aimé, c'est lui qui insulte maintenant. Et puis, il passe l'ordre avec commandant l'ordre pour bastonner maintenant. Monsieur frappé maintenant, malgré l'identifier, ou bien, monsieur agressé le frappé. Or, monsieur Pagan doit agir comme ça. Et ça fait partie de la sécurité à tout, oui. Ce n'est pas bon Dieu seulement qui a fait la sécurité. Monsieur, immigration fait la sécurité et tout. Il me frappe, monsieur. Hein. Malgré le dialogue avec lui, l'identifier, il frappe, il bastonne lui. Ça fait partie de la sécurité. Nous-mêmes, en tant que corporation, hein, nous avons porté soutien. Non seulement avec l'État haïtien, avec frère nous qui victime dans notre situation, et nous avons porté plainte au niveau du parquet, au niveau du tribunal, au niveau du commissariat, contre Idmo Sayo, parce qu'on fait partie de ce théâtre tout, parce que les policiers sont même avec nous tous, sont mon famille. Si on est maintenant paraître en état devant nous, avec badge identifié, question Idmo, et puis c'est directeur, c'est une personne, c'est directeur passé l'ordre, bien, nous condamnons ça, son cas inhumain. Son acte barbarie, son acte arbitraire, son acte immoral lié, nous condamnons ça à toute force nous, pour nous accompagner et mettre là jusqu'aux eaux pour jouer une justice. Et ceci, c'est ma parole comme ça. Dieu a pensé lui-même, c'est mon gonaïve lié, l'elfe ma galie, il fait net, mais mon c'est ma, n'attend nous sur ça. Nous ne pas prendre ça de notre directeur. Merci. Moi salue la presse écrite, parlée et télévisée. Moi c'est. M. Pierre Oni, avocat au barreau de Mibaler, moi porté appui des solidarités avec M. Félix, parce que ce n'est pas seulement M. Félix qui est victime dans ce genre de situation. Nous avons plusieurs maîtres qui sont victimes dans l'immigration. Nous avons ici John tout récemment. La police bat et lâche des grandes donnes. Donc c'est une situation inacceptable. Souvent, nous disons ça, les bab camarades ou prennent du fait, ou même mettez Paul à la trempe. Je dis à nous pas qu'à garder là comme ça. C'est avec amertume, les attendaient et les vivent une situation comme ça. Donc nous, déjà porté plainte par devant. Le cabinet d'instruction, nous portons plainte devant le commissaire police là, et nous déjà portons plainte devant le commissaire du gouvernement contre Idmo Sayo, contre le directeur Wachni qui vient aujourd'hui pour venir intimider les gens, pour venir battre les gens dans ce match. Et maintenant, nous passons savoir, pour être accompagné de 100 personnes à 150 personnes. Qui soit si gros naïve pour venir signer un passeport. Saint-Marc, ça n'a pas qu'à faire. Saint-Marc, nous apprenons que Saint-Marc, c'est une grande ville. Une ville, côté que c'est la plus grande ville hospitalière du pays et qui tout est, je dis, en Italie. Et je dis, est-ce que nous avons gardé là comme ça? Et tout récemment, il y a gagné un journaliste qui est victime. Il y a un greffier, il y a battu, il y a bastonné dans l'immigration. Je veux dire, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est inacceptable. Et il y a des gens qui viennent là, qui font un mois, qui font un mois et demi, qui font deux mois, qui ne peuvent pas passer. J'ai dormi là, dans la ligne. Donc, je veux dire, on dit ça. Il revient chaque grand haïtien pour qu'il y ait un passeport. Oui. Ce n'est pas un cadeau, non. L'État haïtien a fait un cadeau, un grand passeport. Je veux dire, nous demandons encore une fois pour qu'on preuve de solidarité qui fait dans le temps nous là. Souvent, je dis ça, les babes camarades ont pris du fait, mettent pour la trappe, nous ne pouvons pas faire de bagarre comme ça. Et si, pas grand rien qui fait, nous jouons, et bien dans le passé, nous avons l'autre vitesse supérieure pour faire respecter le droit avocat. Merci. Et nous saluons la presse, écrit et télévisé, avant de porter solidarité nous, mettre à qui victime dans la boutique qui est l'immigration de ce matin. Les nappes gardées, c'est Mac tout côté, gagne un directeur immigration. Mais c'est Mac pas gagne un directeur. Il gagne un directeur boutique.
Parce que l'on a regardé, directeur à lui-même, l'a rentré, il a tout fait aller avec les policiers pour entrer les gens. Les policiers ont fini d'entrer les gens, ils ont l'autre monde à rentrer. Les indexés sur une personne, ils mettaient dehors à flaca. Et dans ce sens, nous-mêmes, qui sommes ici dans le tribunal de paix, et nous campons pour nous mettre la cour en nous, pour nous aider à mettre la dans le lit que la faire et la porter plainte et la continuer à porter plainte. Nous avons demandé, pressé pour le directeur général immigration, prendre une décision formelle avec le directeur Wachni Bien-Aimé. Parce qu'il va venir faire administration Saint-Marc-Gré. Il va venir faire deal Saint-Marc. Parce que il sorti gros naïf avec 50 personnes samedi après-midi. Environ 2 heures. Dans le matin, il dit Delcro a gâté. Il fait tout le monde évacuer. Il est entré avec les gens. Il a ouvert barrière libre. Les gens ne parlent pas qu'à entrer. Il dit qu'il n'y a pas empêché les gens d'entrer. Il dit qu'il n'y a pas quitté l'entrée. Pour les gens entrer dans le bureau, il dit. Et après, mon gars, il y a tout mal propre, ça a été dehors. Pour me démontrer, pas de l'administration qui a fait. Son deal qui a fait. Et il y a un plan immigration. Non seulement un plan, le directeur a pris environ 50 000 gouttes, 60 000 gouttes pour faire un dossier pour moi. Est-ce que ça, c'est un cas directeur? Non, il n'est pas directeur. Et nous-mêmes, c'est Mac, nous révoltés, nous campés. Et si pas une décision qui prend formelle, pour prendre une décision avec le directeur Wachni Bien-Aimé, qui a fait une dérive désordre dans l'institution immigration et puis devant la première équipe possible pour le directeur.